Bonjour, bonsoir tout le monde. Bien content de retrouver pour nous porter pour vous toutes les dernières informations sur l'actualité politique là. Et on le fait encore, merci pour votre présence, merci pour votre patience, merci pour la confiance que vous placez en nous. Équipe là, tout fait, tout flamme, puis mauvais, puis motivé pour servir avec même détermination. Hein? Et puis porter pour vous information sur l'actualité à Jean. Haïti kidnapping, juge d'instruction Melan Balabé, écrit président Chambre Sénat, Karl Murat Cantave, pour mander lever immunité, troisième sénateur à Tibonite, Gracia Delva, pour lui répondre question la justice, dans quatre dossiers séquestration à rançon qui fête sous Jean-Noël Michel, dans date 14 mars 2019, là. Juge Melan Balabé souhaitait approbation grand corps pour libérer sénateur, pour lui répondre question la justice, à complicité avec chef gang tout puissant Anel Joseph qui t'apprend le joindre arrestation dans l'hôpital au Kaila d'après toute scription qui livrait toujours par un gros sénateur dans le pays. D'après première enquête qui était publiée par commission éthique et sécurité Sénat, Jean-Noël Sénatus te bail numéro téléphone sénateur te en contact avec ravisseur en l'occurrence Anel Joseph. En suivant plus précision sous dossier ça, toujours sous gros réseau, Sophia TV 83. Grâce à Delva. Et juge sous dossier, c'est Merlin Bélarbe. Ok? C'est lui-même qui juge l'instruction. Et effectivement, dans quatre questions kidnapping, qui était faite sous Jean-Noël Michel. Eh bien, juge-le, ou est question on l'autre gens. Et les conclut pour le dire comme ça. Par ces motifs, disons et déclarons que le téléphone du sénateur Garcia Delva identifié au numéro 004-075-953-1 est retracé dans les procès-verbaux d'audition relatifs à l'enquête sur l'enlèvement suivi de séquestration contre rançon du sieur Jean-Michel, Jean-Noël Michel, survenu en date du 14 mars 2009, mettant en cause le sénateur de la République, ordonnant la communication et la transmission de cette ordonnance au président du Sénat en vue d'autoriser s'il y échait la poursuite personnelle du sénateur Garcia Delva, ordonnant la communication de la présente au commissaire du gouvernement de ce ressort en vue de la notifier aux concernés dans le délai légal à tel fait que de droit. Donne de nous, Merlin Bélarbe, etc. Ça veut dire que vous demandez pour vous mettre Gracia Delva à la disposition de la justice. C'est président Sénat, vous demandez ça. Pape président Sénat. Ça veut dire que c'est très difficile pour que Garcia Delva t'a levé immunité. Et Garcia Delva dit le pareil. Il dit le pareil pour l'aller. Quelle est la différence? Dans petit papa, il n'a pas demandé pour que vous levez immunité au nom de Dieu. Au nom de Dieu, tout va aller. Ok? Ok? Garcia Delva devant juge là. Non, négatif. Là, ça va aller devant le juge là. Pas le juge là, votre coup, j'aimerais le directement. Mais ouais, petit papa même, il fait au nom de Dieu vini, sans immunité. Ça veut dire que l'on est inculpé, c'est le sénateur qui va supposer aller devant le juge là sans qu'il n'y ait pas immunité. Non? Parce que quand même, il faut qu'il soit à l'aise pour aller. Monsieur, tout aller sénateur. Ok? Ça a toujours été dans le dossier immunité. Hein? Contrairement à lever immunité sénateur Gracia Delva, juge là écrit président Chambre Sénat mandé lever immunité sénateur pour vinn bay explication à connivence li ta gagné avec chef gang Anel Joseph qui pour l'instant
nan men la justice. Tout j'ai fixé sous deuxième lundi, moi janvier kap vini là, disons 13 janvier, est-ce que Sénat a pas gen possibilité réunir en séance pour lever immunité sénateur Jean-Jige Lamandel. Ou analyse ak réflexion ka fait sous dossier ça, entendez équipe booster a ka parler nan même quatre dossier ça. Toujours sous gros réseau a Sofia TV 83. Bon fini. Confusion la cage jeunesse là. Ça pas fait ça. C'est immunité que fait ou pas carré tout monde. Qui côté bon fini non. Bon fini. Qui côté l'écrit immunité dit ou pas carré tout monde. Bon fini non. Bon fini. À fond poser. Bon fini. Les conditions oui. Combien moun ouais arrêté déjà avec lui? Non, c'est parce que il pas arrêté fait que il pas arrêté. Si gain bon, finalement, si finalement perdu. C'est où que tu as expliqué l'immunité à Dalia là? Le fond que ça oui. Mais c'est où que tu as expliqué l'immunité à Dalia là? C'est où que tu dis immunité là? C'est un obstacle, c'est un drap qui couvre action parlementaire. Très bien, qui couvre action parlementaire. Hier, ça veut dire l'elle couvre action parlementaire. Qui t'aime fini non? Qui t'aime fini non? Débat que nous faisons, ce n'est pas que le baguette important, sinon, mais nous croyons que nous allons dans l'autre direction. Parce que nous avons toujours fait un débat sur est-ce que yo pata, la Constitution, la loi haïtienne, pas ouais, question immunité dans le pays. Parce que les sénateurs, les députés, les députés, immunité, ils pensaient que l'immunité couvrait tout ça qu'ils font. Et c'est confusion ça qui gagnait. Et les hommes mettent confusion ça dans la tête tout le monde presque. Les bons pour eux, parce que les paquet de eux, ils font un paquet des autres pendant le sénateur. Donc ils ont toujours été cachés derrière une immunité. Par contre, vous comprenez non? Mais ça fait vous-même. Ok. Vous choisissez. C'est direction que nous avons débat. Vous choisissez. Vous choisissez pour ça, pas. Ça vient faire que, quel que soit la, la justice, tu as besoin d'une nan yo, pour t'en de yo. Donc. Procédure le mandé que vous le mandez. Il n'a pas tenu encore. Ok, elle n'a pas tenu encore. Pour lever immunité. Très bien. Si on te carré là, on te carré de là. Vous avez Kounia, nous avons toujours fait le débat. Si on te carré de là, on te carré de là. Nous avons toujours fait le débat pour nous questionner la question immunité dans le pays. Et c'est ça, son débat qui, dans la question, il y a parlé d'abattement de constitution, etc. Son débat qui doit être fait parce que monsieur prend trop libre sous question immunité. Parce que c'est là que nous avons chita débat. Mais qu'est-ce que est-ce que sénateur? Oui, il a toujours été avec immunité parce que l'a toujours chef. Il a toujours chef. D'ailleurs, nous chouez ça que t'es arrivé avec et c'était même problème là avec nous. C'était sous privé. Il y a même problème là avec nous. Nous changeait. Attendez. Il y a même problème là avec nous, Jenica. Les Andrew sénateur. Et nous disons toujours chef. Dans qui paye au monde de parler des chefs? C'est 10 sénateurs qui étaient avec Andrew. C'était 10 sénateurs. Écoutez, Andrew Richet dans tout événement. Bien sûr. Alors que le Parlement est dysfonctionnel. Dysfonctionnel. Alors que le Parlement est dysfonctionnel. Pourquoi mettre confusion? Il y a après dans fonction parce que les gonds durés, mandat la gonds durés. La style chef, la style gagne. Parce que l'île a pour 4 ans, l'île a pour 6 ans, il faut que l'île fasse. Et c'est-à-dire, j'ai la connaissance. Le vol, vous dites comme ça, que mettre au dehors pas sénateur encore, mais toujours sénateur parce que le gonds durés, mandat la gonds durés. Jean-Renel Senatus, sénateur ou sa cap, gérer commission sécurité et éthique Sénat. Bon côté parle penché sous article 50.3 dans la loi électorale qui régit fonction entre et sorti sénateur. Pendant le pat souhaité opiner sous demande juge là pour dossier Gracia Delva, d'après ça le dit. Plus précision toujours, dans micro romanes samedi, Jean-Renel Senatus te parle comme ça. Sofia TV 83. Et m'a parlé pour nous article là et article 53. Mm-hmm. Il dit à l'occasion des élections sénatoriales impliquant à la fois le renouvellement et une ou deux vacances au sein du même département, les électeurs votent pour autant de candidats qui apportent à pouvoir. Mm-hmm. Le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix reste en fonction jusqu'au deuxième lundi de janvier de la sixième année de son mandat. Mm-hmm. Le sénateur élu avec un complot de voix immédiatement
l'intérieur comme la transposite en cours de mandat pour le temps qui reste à courir. Ça, c'est la loi. La loi dit, moi-même, quand moi-même, c'est à l'élection, moi, premier tour, Yuri Latortu, c'est à l'élection, en premier tour, Ronald Lages qui vient en tête dans le nord-est, et nous, Dieudonné Dumas qui vient en tête dans le nord, nous dit, sénateur Sayo, mandat nous a fini deuxième lundi de la sixième année de mandat. C'est ça la loi dit. Maintenant, la loi est claire. Et c'est une loi de procédure. Il n'y a pas de faire ni mettre, ni ouéter. Maintenant, il y a un terme que Nedio est peu à mal interprété dans la loi. C'est le terme vacances en droit constitutionnel. Vacances en droit constitutionnel, vous voulez qui ça? C'est lorsque, par exemple, samedi est candidat pour un poste de président ou de casec. Et que vous prêtez serment. Vous prêtez serment ou commencez à exercer une fonction ou venez un empêchement pour continuer. Empêchement qui doit se démission ou remettre démission pour cause de famille, par exemple. Ou capable de gagner destitution qui vient après ou fin condamné à une peine afflictive ou infamante, vous destituez ou. Ou qui doit mourir. Ou du moins, quatrième lance, je parle de la mort, je parle de démission, je parle de destitution, mais quatrième lance, c'est incapacité physique ou mentale à pouvoir remplir la fonction, mais dûment constatée par un médecin. Donc, quatre points, c'est ce qui permet de parler de vacances en matière de droit constitutionnel. Okay. Maintenant, il y a des mondes, par exemple, qui sont conseillers présidents. Moi, je voulais parler de Jean-Gabriel Fortuné, que je m'entendais, qui est ancien dirigeant parti politique, moi, qui est Rodolphe Choisy, l'ancien sénateur, et qui est conseiller président Madame Sublis Bozil, Edmond Sublis Bozil, qui est conseiller Léné Balthazar, qui est conseiller Stanley Lucas. C'est deux tiers qui pourraient aller, parce que tu as aimé que le président a pris un boulevard. Pas de crasse contrôle qui a exercé sous action qui a venu après 13 janvier. Moi, je pense que c'est bien compté, mal calculé dans la mesure où c'est pas au président que doit venir pour lui dire mandat, mandat, un sénateur ou un député. C'est constitution avec la loi électorale qui a fixé ça. Ça veut dire, sous base ça, après 19 sénateurs, c'est 10 qui peuvent aller. Clair, oui, là. Oui, on doit dire après 19 sénateurs qui a continué après le 13. 19 sénateurs, ça va pour exercer les devoirs et attributions normalement. Well, nous voulons seulement espérer que nos collègues sénateurs, puisque avec 19 sénateurs, pour un bras fragile, nous avons un consensus entre nous qui va permettre au moins de faire travailler nous normalement. Nous faire travailler nous normalement. Bon, regardez ça avec le sénateur Sénatus, parce que nous avons fait un débat là, nous avons parlé de dysfonctionnement du Parlement. Le Parlement sera dysfonctionnel, puisque j'aime débiter après aller. Alors, ce que nous avons dit tête nous tout, le Sénat. Et fonctionne en permanence. Donc, n'a pas gardé là, et par exemple, y a un dossier qui est important là, même gens ont jugement de pour lever l'immunité, sénateur Gracia. Nous disons donc, si le Sénat sera dysfonctionnel, le Parlement sera dysfonctionnel, donc, pas de gain en yon qu'on nous a fait. Donc, c'est presque y a un bagage qui est nul et non avenu. Non, le Parlement a réputé dysfonctionnel, mais le Sénat est fonctionnel. Le Sénat est fonctionnel dans la mesure où. Il y a des attributions que la Constitution confie seulement au Sénat. Et au Sénat seulement. C'est en raison de cette permanence que la Constitution fait ça. Et par exemple, il dit c'est le Sénat qui a ratifié le directeur général de la police. C'est lui qui a ratifié les ambassadeurs et consuls généraux. C'est lui qui a ratifié le conseil BRH, BNC. C'est lui qui a ratifié le conseil haut état-major, l'armée. Tout ça, c'est des attributions qui dévolent seulement au Sénat de la République. Maintenant, dans le cadre de travail de légifération, même question et fonction de contrôle, là, tout capable de jouer. Mais dans la légifération, il y a des problèmes de la mesure. Chambre députée, il n'y a pas de place. Obligé de tendre l'arrivée de la Chambre des députés parce que nous avons un Parlement bicaméral. Faut qu'ils votent dans les deux, dans les mêmes termes par les deux chambres. Donc là, il y a un problème qui est de gagner
et c'est là pour nous dégager, nous remplir vide constitutionnel là. Mais le dysfonctionnement du Parlement ne veut pas dire pour autant le dysfonctionnement du Sénat de la République. Oui, honorable. Salut, oui. C'est Florentin. Si, Florentin, salut. Si vous réduit à un tiers, on va pas ratifier DG la police là, non? Non, il n'y a pas de cas pas non à un tiers. C'est 19 sénateurs qui ont voté. Après 19 sénateurs. Quand on a 20 sénateurs avec le avec Guillaume Côté pour machine pas frapper lui-même. Oui, avec l'empêchement de Philippe, donc là on est obligé. Non, Guy Badjam sénateur. CG avec 20, avec 19 sénateurs. Non, Guy Badjam sénateur. Comment non? Guy Badjam sénateur. Non, il était sénateur élu. Oui, il était élu. Et pas jamais sénateur, nous on n'a pas validé pour voir. Mais donc, nous prenons un pile de temps, nous n'avons pas jamais fait élection pour te remplacer. Non, parce que c'est pas comme ça. Mais bon, explique au Florentin. Oui. Dans le cas, il y a, jusqu'à un moment, je vais parler avant, je vais continuer à des décisions qui courent. Qui t'a poursuivi par le gouvernement américain, la justice américaine? Leur a poursuivi par la justice ou bénéficié. Les dispositions de l'article 11 de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui dit ça. Mm-hmm. Tout le monde y a poursuivi un acte qui a été qualifié de crime ou de délit. Moussa a considéré comme présumé innocent jusqu'à ce qu'une décision de justice qui acquit l'autorité de la souveraineté jugée vienne dire Moussa coupable. Mm-hmm. Donc le droit à la présomption d'innocence, c'est un droit de l'homme que lié en matière de justice. Puisque Kili même t'a poursuivi, yon ballon première condamnation, il fait appel, yon ballon deuxième, il dit la faire cassation, la faire pourvoi, ou pas yon pour faire que retourne décision, dernier cours là, qui pour dire est-ce que première tribunal a été décidé. Mais pendant tout ce temps là, il était encore yon présumé innocent. Tant que l'on était présumé innocent, c'est au niveau du CEP, il n'y a pas qu'à lancer appel à candidature pour poste LIA. Parce que si, par exemple, la Cour supérieure a dit qu'il a cassé la première décision et que il a dit monsieur, Lili, et puis qu'il a pris l'autre pour nous remplacer, il y a un conflit qui a créé, qui a pris un mauvais précédent dans le droit constitutionnel par nous. Donc, on est obligé de tendre et condamner définitivement avant même. Donc, si ça arrivait, que Guy Philippe t'a fait 6 ans, l'hypo pour rentrer, élection pral, yo t'a rendu une décision, laisse ça, yo t'a lancé l'élection pour poste LIA. Ok, ok. Sénateur Bomadeo, pour dossier Gassa Delva, est-ce que Sénat li pral en mesure pour la suite à demande que juge l'enfer? Bon, Jenny, excusez-moi, pile auprès de vous. Allez, auprès de Valentin et samedi, auditeur YouTube. Je ne vais pas répondre à questions. Ah ouais, je ne vais pas répondre à questions sur qui sont posées pour qui ça. Ce n'est pas pour raison d'éthique. Ou travaille ou fait rapport sur lui déjà. Je fais un rapport sur lui, un rapport à déposer devant l'Assemblée des sénateurs. Il n'y a pas qu'on décide sur lui. Le juge l'a relé comme citoyen, à titre de témoin, pour moi-même, pour me dire ça, me connaît. Je vais aller devant le juge, me dit ça, me connaît. Donc, je ne vais pas parler de rien de dossier ça. Pas avant que définitivement juge la rende ordonnance. Donc, oui, honorable. Oui. Et le juge là, il était relo, ou te dit soit qu'on est comme maître sénatus ou bien comme sénateur de la République? On est allé comme citoyen. Et je vais adresser avec moi comme citoyen. Et il est relé comme témoin pour m'expliquer quelque chose, moi, dit le magistrat. Je vais expliquer ce qui parle dans la radio, mais ce qui est dans le Sénat, je n'ai pas d'autorisation de parler. Ah, mais mettre la dans la radio, tout, sénateur. Ou après, qui mettre? Mettre qui t'aurait l'eau pour ou expliquer ce qui est dans la radio. Oui, magistrat. Magistrat, c'est son droit le plus sacré. S'il t'entend dans la radio, moi, tu as un bagage. Il est capable de demander pour m'expliquer ce que j'ai dit. Ah, ok. Okay. Okay. C'est pas ça l'autre monde. Est-ce que tu n'es pas la veille sous décision, déclaration ou même où tu fais une radio, par exemple? C'est ça le dit là. Oui. Il y a un rapport avec document. Ok. Il pose des questions sur des. Avec rapport qui est déproduit. Moi-même, déclaration que je fais, et me dit, magistrat, il y a un rapport que je dépose devant l'Assemblée sénatoriale. Si vous voulez qu'on plus,
ou à adresser ou à l'assemblée pour assembler à la houle. En tout cas, n'a pas suivi qui ça souhaite à faire. Merci un peu le sénateur Senatus. S'il vous plaît, je vous débat avec vous. Travail. Voilà. Ok, bonne journée. Maître Jean-Winel Senatus. Donc, vous comprenez, Mme Abdoula? Non. Vous comprenez, Mme Abdoula? Non, non, comprenez. Donc, ça veut dire que pas qu'il y a l'empile dans ça. Non, il n'y a pas l'empile. Faut qu'il y a pas l'empile de vous. Oui, il n'y a pas l'empile. En garde, vous nous. A toujours pas l'empile. Parce que qui s'est arrivé? C'est que le citoyen Gracia Delva, il y a plusieurs statuts. Les gros casquettes de sénateurs de la République. Oui, ils sont artistes. Ils sont artistes, ils sont citoyens. Oui. Et ils sont citoyens que non impliqués dans une activité qui est grave. Kidnapping. On ne va pas dire gravissime. Mm-hmm. Et victime, il y a gardé. Mais donc, est-ce que nous prenons une société à plusieurs vitesses, côté que de que tant des anel. Yo mettez année la terre, yo mettez pied sous lit, yo humilié lit, yo fait tout bagay. Est-ce que vous souhaitez qu'Ibral dit que yo kembe la cour avec pile zamyo, yo menote li, le que tant de li? Est-ce que genye un côté que genye un moun parce que genye immunité parlementaire, le liquide ou bien reproche des actes qui autre que action parlementaire là que yo pas qu'attendre et c'est là tout débat moi-même exactement même thèse pas là c'est que pas gain aucune immunité absolue et générale.